Ok, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live sur la grille de Metallica du morceau Nothing Else Matters. Alors pour ceux qui étaient déjà là hier, pour la troisième fois, TikTok a fait bugger ma rediffusion, donc j'ai pas pu rediffuser ce que j'ai fait hier. Du coup, là maintenant j'ai branché ma webcam et du coup je vais pouvoir vraiment avoir une copie sûre. Donc je vais répéter ce que j'ai dit un petit peu hier. Ce tuto là aujourd'hui, ce live va être destiné aux débutants en improvisation, à la demande générale hein, et en particulier à la demande de mon frère aussi. Il m'a dit que ce que je faisais c'était un petit peu compliqué pour lui. Alors moi le but c'est que je travaille moi, je bosse moi ce que de mon niveau. Donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément axé très très débutant. Mais aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Si vous avez des questions n'hésitez pas sur TikTok directement, je vous répondrai volontiers. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas à partager. Vous retrouvez tous mes lives TikTok sur ma chaîne YouTube hein, vous allez dans ma bio, il y a le lien. Et donc on va commencer, et ceux qui sont sur YouTube, voilà je regarde ici, eh bien vous pouvez venir sur mon compte TikTok, hein, Home Sweet Home 1973, j'ai pas pu faire plus long. Ok alors je vais répondre après aux commentaires, hein. merci beaucoup Rémi, je vois pas bien les noms parce que je suis un peu plus loin que d'habitude. Alors, sur ce morceau Nothing Else Matters, on est ce qu'on appelle en mi mineur. Donc en fait on a des accords qui sont mi mineur, ré majeur, do majeur, qu'on répète trois fois, après on a un sol, un 6-7 et un mi mineur. Hop, on remet un peu de volume. Merci. Donc la gamme à utiliser, je vais vous donner aujourd'hui une seule position, mais vous allez voir, il y a de quoi faire. C'est la position qui commence avec le mi sur la 12e case, et donc vous allez avoir 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12, 15. Et le doigté, eh bien, c'est un doigt par case. C'est-à-dire, si je joue la 12, c'est toujours avec le premier doigt. Si je joue la 15, c'est avec le petit doigt. Et si je joue la case 14, c'est avec le troisième doigt. Cette gamme, elle est à connaître par cœur. Mais plutôt que de l'apprendre, entre guillemets, bêtement, eh bien, on va faire des exercices qui vont faire travailler et la gamme et la technique main droite. Et d'ailleurs, la technique main gauche aussi, hein. Et ce qu'on va faire, on va monter la gamme. Alors pourquoi je fais ce geste-là? Parce que là, je vais du grave à l'aigu. Donc je monte ma gamme. Et ici, je redescends. C'est un peu contradictoire parce que là, je descends vers le sol, mais je monte ma gamme. Bref. Alors ce que je vous conseille de faire, d'abord, c'est tout en aller à la main droite et faire une note par une note. Vous montez, vous redescendez la gamme. Allez, c'est ce que je vais faire. Lentement. Ça sert à rien d'aller vite au départ. Et comme ça, ça vous permet de mieux mémoriser la gamme et d'entendre chaque note sur chaque accord. Même chose tout en retour. Donc ça c'est le premier exercice à répéter sans arrêt pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Deuxième exercice que vous pouvez faire aussi de suite, hein, c'est de doubler chaque note. Donc faire deux fois chaque note en aller-retour. Allez c'est parti. Thank you.
fait sembler la gamme. Qui me dit c'est grave bien, merci beaucoup. Même exercice, mais ce coup-ci on va plus faire aller-retour, mais retour-aller. Toujours on double chaque note. Merci pour l'abonnement. Ok, on va compliquer un peu l'affaire. On va faire maintenant l'exercice que j'ai appelé deux par deux. C'est-à-dire, je vais faire mes deux premières notes en aller-retour. Et je repars de la deuxième et je refais deux. C'est parti. Première, deuxième. Je refais celle-ci et je fais la suivante. En aller-retour régulier. Le solo, je le ferai après. Et je redescends. Première, deuxième, on part celle-ci, j'en fais deux. Plein de commentaires. Hein. Oui, c'est le backing track de Nothing Else Matters et on va improviser dessus. Là, pour l'instant, on fait des exercices techniques et pour apprendre la gamme si vous êtes débutant en improvisation. Donc là, on complique un petit peu. On va faire maintenant 3 par 3. Alors, 3 par 3, qu'est-ce que ça veut dire? J'arrête un peu le backing track. Ça veut dire que je vais faire les 3 premières notes de ma gamme. 1, 2, 3. Quand je suis à la 3e, je repars celle d'avant et j'en refais 3. J'arrive ici, je repars celle d'avant et je refais 3. Etc, etc. C'est un exercice très important parce qu'il vous permet de bien connaître la gamme, de travailler l'aller-retour de la main droite. Et également, il faut savoir que cet exercice 3 par 3, on le retrouve dans plein de solos. Alors, bien entendu, pas du début de la gamme à la fin de la gamme. On va le voir après dans certains passages. Mais c'est vraiment un exercice très très important. Allez, c'est parti. Première, deuxième, troisième, je repars celle d'avant et j'en refais 3.
Ok, on continue. Avant de vraiment rentrer dans l'improvisation, on va travailler des effets importants qui se font à la guitare. Le premier effet, c'est ce qu'on appelle le hammer on. Hammer, ça veut dire marteau en anglais. Donc, c'est le fait de jouer la première note et de venir taper avec le doigt suivant sur la deuxième note, mais sans jouer à la main droite. Allez, je fais un petit peu cet exercice. Ok, on va avoir l'effet inverse qui s'appelle pull off. Eh bien, je vais jouer ma deuxième note. Alors là, on m'entend pas bien. Hop, je vais remettre du volume. Et il faut faire entendre la première. Alors, il ne suffit pas, pardon, d'enlever le doigt. Il faut venir gratter un peu la corde vers le bas. Je joue trop bien, merci. Si tu fais des concerts aussi. Non, je fais pas de concerts. Allez, j'essaye cet exercice et bientôt on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Restez bien là. Et pourquoi ne pas enchaîner l'un à l'autre, c'est-à-dire faire un hammer et un pull-off. Donc là, un seul coup de médiator au départ, hammer et pull-off. Et ça sur chaque corde. Pourquoi ne pas faire l'inverse, faire pull-off et après hammer? Allez, c'est parti! Vous êtes toujours là, ouais. Effet suivant, c'est ce qu'on appelle le slide, c'est un glissé. Donc par exemple, avec le premier doigt, je vais prendre ma première note, je vais la jouer, et je vais faire un glissé jusqu'à la note suivante. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas regarder votre point de départ, mais de bien regarder votre point d'arrivée. De ne pas être trop rigide, parce que ça risque de bloquer, et de ne pas être non plus trop souple, parce que vous allez aller des fois trop loin, ou pas assez loin. Donc, il faut appuyer sur la corde, mais bien viser. Allez, c'est parti. Et je peux faire l'inverse. Chose,
mais avec un autre doigt. Il faut le faire avec tous les doigts normalement. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour le partage. De rien, c'est avec plaisir. Vous retrouvez tous mes lives TikTok sur ma chaîne YouTube, qui est dans ma bio. Ok, un autre effet qui est vraiment très très souvent utilisé à la guitare, c'est ce qu'on appelle le bend, c'est-à-dire qu'on va lever une corde. Alors, pour ce faire, on va prendre par exemple le troisième doigt sur la corde de sol à la case 14, c'est une note qui appartient à ma gamme, et en fait je vais vouloir soulever cette corde pour que la note qui est ici, elle se transforme en note suivante de la gamme. Celle-ci. Alors si je lève avec un seul doigt, comme ça sur la corde, regardez ce que ça donne. J'ai vraiment du mal à lever. Donc ce qu'on fait généralement, on cède du doigt d'avant sur la même corde, mais sur la case d'avant, ça n'a pas d'incidence, hein, vu que c'est le dernier doigt qui compte, et voire même le premier doigt. Et là, je peux lever beaucoup plus facilement, et en plus je peux faire le ménage, c'est-à-dire que je pousse les autres cordes qui sont dessus. Alors, il y a le bend lent, c'est-à-dire qu'on entend la première note jouée, et on va à la suivante, où on a le bend rapide, où on n'entend que, ou presque que, la note voulue. Et donc ce bend, on peut le faire ici, on peut le faire aussi sur la 15e case de la corde de si. Et puis également ici. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer d'improviser avec tout notre bagage technique, mais aussi les effets. Alors, pour se simplifier, je vais prendre seulement deux notes au départ. Je vais prendre la note sur la corde de Ré à la 14e case, hein, qui fait partie de la gamme qu'on vient de voir, bien évidemment. Et la corde de Sol à la 12e case. Je vais prendre que ces deux notes et je vais essayer d'improviser. C'est parti. Tu peux... Tout simplement, j'ai donné du rythme, j'ai phrasé, comme on dit, mes deux notes. Et puis, je les ai jouées plusieurs fois l'une, plusieurs fois l'autre, des allers-retours entre les deux. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire au départ. On va rajouter une troisième note. Allez, on va prendre les deux mêmes. Et on va rajouter la 14e case sur la corde de sol, donc après le 12. Allez, c'est parti. Thank you.
Alors bien sûr, j'ai pas triché, mais j'ai rajouté une quatrième note, mais c'est le fait de faire l'effet de bend sur ma 14e case ici. Alors je vois des questions. Bonjour, comment as-tu réglé ton ampli ? J'ai pas d'ampli. Je passe par une carte son reliée à des enceintes via mon ordinateur et un logiciel. J'ai pas d'ampli. Ok, et si on rajoutait une quatrième note ? Eh bien celle-ci là, la 12. Donc là, ça me fait 12, 14, 12, 14. Allez, c'est parti. On rajoute encore deux notes. Allez, pour aller un peu plus vite. Donc j'ai 12, 14, 12, 14. On va rajouter 15, 12, 15. Allez, c'est parti. 12, 15, 14, 15. Pull-up. Je vais faire le 3 par 3 là. Vous voyez ? Allez, on rajoute encore deux autres notes qui sont la 12 et la 15 sur la corde de mi. On raccorde un petit peu. Allez, c'est parti.
je lis vos commentaires, trop cool, je suis en train de chanter les paroles tout seul dans ma chambre. Et il faut. Alors moi je chante pas parce que sinon il y aura plus personne sur le live. N'oubliez pas que je rediffuse tous mes lives TikTok sur ma chaîne YouTube. Allez voir dans ma bio, il y a plein de morceaux et on va continuer. Merci pour l'abonnement, merci pour la rose, merci pour tout. Ok, donc bah là je peux rajouter toutes les notes de ma gamme. Alors vous avez vu que j'utilise beaucoup des effets qu'on a travaillé juste avant, mais bien sûr ça demande plusieurs jours, semaines, mois de travail. Il y a quand même des plans qui sont assez sympas à faire, je vais vous en donner certains. Par exemple le fait de faire 12, 15 en hammer, donc avec le petit doigt ou avec le troisième doigt, et ensuite de faire le 12 ici. Et donc c'est le genre de plan. Et on a le plan inverse qui va faire 15-12 en pull-off. Et 12 ici. L'autre plan sympa, c'est de faire un bend sur la 14 ici, et ensuite d'avoir la 12 ici. Ou celle-ci. Ou les deux. Et je peux même aller plus loin, je peux faire mon bend et avoir le petit doigt après sur le 15 ici. Ou sur le 15, la corde demi-aiguë. Et d'ailleurs, quand il commence son solo, ben tout simplement, il est en position comme ça et... Ok, donc il y a un autre plan qui est aussi très très souvent utilisé, c'est de faire bend, 12, 12, 15, 12. Ouais, mi mineur pentatonique, elle s'appelle cette gamme. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je l'avais dit hier, parce qu'elle a 5 notes. Penta, ça veut dire 5. Elle a 5 notes. Alors, on peut rajouter une 6e note, qui est la blues note, qui est ici à la case numéro 13 sur la corde de La, et à la case numéro 15 sur la corde de Sol. Donc, ça fait... Bien sûr, là, j'ai travaillé sur une position de cette gamme mineure pentatonique en mi. Il existe 4 autres positions sur tout le manche pour pouvoir couvrir tout le manche. Mais moi, je vous conseille, si vous débutez, de vous concentrer d'abord sur une position et de bien l'explorer. Hein. Alors, j'en ai peut-être pas parlé non plus aujourd'hui, c'est des petits oublis. Hein. J'ai dû en parler hier, mais comme la rediffusion a buggé sur TikTok, 3e fois, merci encore une fois TikTok, c'est faire ce qu'on appelle des double stops, c'est-à-dire qu'on va jouer 2 cordes en même temps. On peut même faire des slides. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce que je suis obligé de faire des notes qui suivent? Non, vous pouvez sauter des notes, hein. On peut très bien faire par exemple, je sais pas moi. Je suis pas passé par celle-ci.
Le plomb que j'ai fait tout à l'heure ici. Bah pareil, vous pouvez le faire partout sur la gamme. Hein. Allez, je réessaye un petit peu tout ça sur la grille, c'est parti. Cette chanson à la guitare en autodidacte et j'ai mis extrêmement longtemps à la faire. Alors oui, si tu parles même du début de la chanson avec les arpèges, etc., elle est pas simple. Moi, je l'avais bossée il y a quelques temps. Il faudrait que je la rebosse. C'est vrai que c'est pas évident. Elle est pas simple. En plus, en autodidacte, pas évident au niveau du rythme. Alors, je vous ai peut-être pas donné la grille sur laquelle on improvise. Ah si, au début du live. Mais c'est mi mineur. Hein. Ré majeur, Do majeur, Mi mineur, Ré majeur, Do majeur, Ré, Sol, Si 7, Mi mineur. Ça, c'est la grille. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ré majeur, il n'est pas dans la tonalité de Mi mineur. Si, parce que Mi mineur, c'est Sol majeur, en fait. Donc, Sol, La, Si, Do, Ré, c'est le cinquième degré. C'est le 6-7, en fait, qui ne devrait pas être comme ça. Et dans le 6-7, on a un Ré dièse. Ce qui nous donne la gamme, en fait, de Mi mineur harmonique. Oui, c'est la relative mineure de Sol majeur. Ouais, c'est ça. Tu peux
Le faire en anti-STP. Alors, le solo, je peux essayer. Je ne l'ai pas refait depuis quelques jours, mais je peux réessayer. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je peux essayer, ouais. Par contre, les arpèges et tout du départ, non. Il me faudrait la tablature, d'une part, et puis même, je pense qu'il faudrait que je le rebosse. Mais je peux essayer le solo. Alors, hello, alors là, attention, tu joues sur mon groupe préféré, désolé. C'est de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de pensé avant, c'est de l'improvisation, voilà. Donc avec beaucoup de fausses notes, parce que je sais pas ce que j'ai ce soir, mais je transpire énormément des mains, c'est pas évident d'avoir les mains moites, mais c'est pas une excuse, mais voilà. Alors.
bien tu maîtrises. Merci beaucoup. Salut, pas mieux, bravo. Merci beaucoup, c'est joli. Merci. Improvisation sur allumer le feu. J'ai déjà fait du Johnny. Allez voir sur ma chaîne YouTube, hein, dans ma bio, il y a plein de lives. Alors, j'ai pas fait celui-ci, mais il y a trois accords, je crois, d'allumer le feu. Vraiment, hein, vous pouvez aussi, ce que je vous conseille de faire, même pour les débutants, c'est d'essayer de retrouver la mélodie. Alors là, c'est la partie solo, mais quand vous travaillez sur un backing track où normalement il y a du chant, mais que vous avez la backing track sans le chant, essayez de reproduire le chant sur votre instrument. C'est vraiment bénéfique de faire cet exercice-là. Hein. C'est toi alors qui fout le bordel dans le quartier, on entend. Tu es d'où ? Dis-moi, tu es d'où ? On va voir si tu m'entends. Il faut savoir que je joue tout le temps au casque, sauf pour les lives TikTok. Donc... J'embête pas énormément. En Alsace, on entend. Ah oh bah alors. Blocage. Je fais n'importe quoi. Ok, donc c'était un live spécial débutant en improvisation. J'en referai peut-être de temps en temps, mais je vous avoue que moi, c'est pas forcément mon but pour moi. Hein. Donc dès le live prochain, peut-être demain, toujours sur cette grille, on travaillera des choses peut-être un petit peu plus délicates, un peu plus compliquées. Même tout est compliqué par rapport à son niveau. Hein. Et puis le prochain morceau... Ça sera un morceau que beaucoup ne connaissent pas, qui est un morceau d'un groupe de heavy metal des années 80. Le groupe s'appelle Quiet Riot. Je vous dis pas quel morceau. C'est difficile à dire. Mon morceau préféré de tous les morceaux, quasiment, quoi. C'est celui-ci et peut-être deux, trois autres, ou même 100, d'ailleurs. Non, mais vraiment, c'est un morceau que j'aime beaucoup et ça, je vais me faire plaisir à travailler l'improvisation sur cette grille, sur ce morceau de Quiet Riot. Groupe heavy metal des années 80. Je vous donnerai, je vous dirai quel morceau et puis je vous donnerai enfin je vous dirai d'aller voir sur YouTube pour voilà. C'est toujours bien de connaître un morceau quand on souhaite improviser dessus. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye.